Malheureusement, votre charge horaire ne nous a pas permis de vous voir en temps utile parce que vous étiez parti aux États-Unis. Mais malheureusement, pour nous, c'est comme si les États-Unis nous avaient précédé pour vous donner ce trophée. Or, tel n'a pas été le cas. Nous avions déjà pensé, vu votre façon de travailler, que vous êtes en train de suivre la philosophie. Aucun d'entre nous n'a pas aimé. Nasbel Vision Fatih soutient totalement. Et connaissant votre capacité, nous avons constaté pendant 3 années de suite que la DGI a dépassé suffisamment les assignations. Et voire même cette année 2022, nous avons aussi constaté que l'année avant même qu'elle soit terminée, la DGI a déjà dépassé les assignations. Raison pour laquelle l'association Vision Fatih, qui est en train de suivre pas à pas la philosophie du chef de l'État, qui est la lutte contre la pauvreté, qui est la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la corruption, et qui est aussi qui prône le développement intégral de notre pays. Or, vous, DG Barnabé Mwakabimamba, nous avons constaté que vous êtes en train de suivre pas à pas, n'est-ce pas, la philosophie du chef de l'État. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'association Vision Fatih a souhaité venir vers vous, vous décerner ce diplôme de mérite en tant que meilleur manager de l'année 2022, ainsi que vous décerner ces trophées pour sanctionner ces mérites-là. Merci beaucoup. Et voilà, là nous avons les trophées Association Vision Fatih qui vous offre ces trophées. Il y a aussi un cadeau surprise. Mais aucun d'entre nous n'a pas aimé. L'association a bien voulu. L'association a bien voulu vous offrir tant à ça. Qui a fait ça? Bon, les artistes. Il est là. Vraiment? Ah, c'est lui qui a fait ça? Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Oui. Ça, c'est Vision Fatih. Oui. Lutte contre la pauvreté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de votre action. Merci beaucoup pour votre soutien. Il est vrai que nous sommes un service de l'appel de recettes. Nous sommes toujours considérés comme étant un conseiller fiscal du gouvernement. Ayant comme objectif la mobilisation accrue des recettes, nous sommes heureux aujourd'hui pour votre prix que vous me donnez aujourd'hui. Et je vous dis, nous ne cesserons jamais à soutenir notre président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Nous sommes engagés à donner au gouvernement
tous les moyens possibles pour faire bien sa politique. Le gouvernement est dirigé bien sûr par notre Premier ministre, Sam Lukonde. En tout cas, nous sommes là pour les soutenir. Parce que le gouvernement lui seul ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous nous battons à corps à cri pour donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. Et je demande aussi à toute la population d'emboîter les pas. N'attendons pas que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Mais nous commençons à donner au gouvernement les moyens pour que les derniers puissent s'occuper réellement de nous. Les gouvernements, pour avoir des moyens, pour construire les hôpitaux, construire les marchés, ainsi de suite, a besoin des moyens. Et c'est nous qui donnons ces moyens au gouvernement. Mais souvent, dans la pratique, c'est le contraire. C'est nous, la population, qui donnons au gouvernement les moyens pour que le gouvernement s'occupe de nous. C'est ça le mot contribution. Ça veut dire, dès que nous sommes là, un exemple banal, hein, nous avons tous un véhicule, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas de route pour rouler. Mais chacun a un véhicule. Mais il n'y a pas de route pour rouler. Qu'est-ce qu'on a mis? L'autre a combien? 500 000. Mettons ensemble. Nous avons 1 million. Et on prend ces 1 million, on lui donne à quelqu'un en qui nous plaçons confiance. Toi, prends ces 1 million ici, construis la route. Dès que la route est construite, tous nos véhicules maintenant vont commencer à rouler. C'est ça. Les écoles, les hôpitaux, c'est nous qui devons les construire avec nos moyens. Mais nos moyens là, nous les donnons au gouvernement. Gouvernement, prenez cet argent ici. Construisez-nous les écoles, les marchés et consorts. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois que c'est le contraire. Les gens ne veulent pas payer des impôts. Mais quand il y a un problème, gouvernement à travers le Cameroun. Mais il va le faire comment sans pour autant que vous lui accordez les moyens. En un seul mot, payons correctement les impôts, donnons au gouvernement les moyens pour faire sa politique et le gouvernement va s'occuper bien de nous. Voilà, merci. Je suis très content de vous. Merci. On peut vraiment soutenir des bonnes actions. Merci. Au DG de la DGI, pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Merci beaucoup, madame. Effectivement, nous venons de décerner le diplôme de mérite au DG de la DGI. Premièrement, j'aimerais vous présenter. Je réponds au nom de Patrick Lutomba, communément appelé prof. Je suis le député de cabinet du président Jacob Béa, qui est le président de l'ASB Vision Fatih. Vision Fatih, c'est une association qui prend quoi et à quel objectif? Merci. Vision Fatih, en fait, c'est une association de l'État de lutter contre la corruption, la fraude fiscale, qui est, n'est-ce pas, la vision chef de l'État, ainsi que de prôner les développements intégral de notre pays. Et nous voulons savoir quels sont les critères pour fait que vous puissiez décerner le diplôme du DG de la DGI. Merci. Les critères qui nous ont poussé à décerner le diplôme de mérite du DG de la DGI sont latents. Mais nous allons citer quelques. La DGI, c'est une régie génératrice de recettes qui donne, n'est-ce pas, les moyens au gouvernement et travaille en fonction des assignations lui données par le gouvernement. Mais il s'est fait que durant les trois dernières années ici, nous avons constaté que la DGI a très largement dépassé ses assignations annuelles. Et pour cette année même, déjà,
partir du mois de juillet, la DGI avait déjà dépassé les assignations. Et nous, en tant que ASBEL Vision Fatih, nous nous sommes dit, nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Et que lorsque nous constatons, nous remarquons que au niveau même de la DGI, il y a la paix sociale. Et au niveau du gouvernement, le gouvernement n'a pas assez de problèmes avec la DGI parce que la DGI lui donne les moyens. Tout ceci, c'est sous le leadership du DG qui s'est inscrit dans la philosophie du chef de l'État. Raison pour laquelle nous sommes dit que nous devons nous décerner le diplôme et le prix des meilleurs managers de l'année 2022, si vous pouvez le dire. Quand bien même l'année n'a pas encore pris fin, mais jusque-là, c'est lui qui est le meilleur manager. Oui, c'est la toute première édition. Nous avons commencé par la DGI et nous avons encore continué parce qu'il y a encore d'autres managers, d'autres, que dirais-je, d'autres, comment dirais-je, mandataires, c'est ce que je voulais dire, d'autres mandataires qui sont en train d'emboîter le pas, à qui nous allons aussi décerner le même prix, et voire même les ministres. Voilà, voire même les ministres, nous allons aussi le décerner de même plus. De l'énergie renouvelable. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la COP27, au cours de laquelle nous allons rappeler les engagements pris il y a 13 ans par les pays pollueurs, on va les appeler comme ça, de payer 100 milliards de dollars par an à nos pays dont les campagnes sont en train de servir à absorber le carbone émis. Nous allons également mettre sur la table la discussion sur le prix du carbone, la tonne carbone, que nous allons demander à fixer à un prix raisonnable qui puisse avoir des répercussions sur le développement du pays. Mr. President, you talk about the Congo Basin being one of the largest lungs of the world, yet you have suggested and proposed to have oil exploration in 6 environmental reserves in the Congo at the moment. Some might say that has the potential to harm the fauna of the country. Oui, je comprends. Je comprends ce que certains peuvent dire, mais je viens de vous dire ici que nous nous définissons comme un pays solution. Donc, vous pensez bien que nous n'allons jamais mettre en danger les atouts que nous avons au niveau environnemental, lesquels atouts d'ailleurs sont importants et vitaux pour le monde, la planète entière. Je fais allusion ici aux tourbières. Nous avons des tourbières qui ont une capacité d'absorption de 30 gigatonnes en ce moment. Ça, c'est l'équivalent de 10 ans d'émissions de carbone. Nous n'allons pas galvauder cela. Mais en même temps, nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Mr. President, if we can just go back to that, what you just mentioned about people, Congolese people living in poverty, there are dozens of millions who are facing food insecurity at the moment, more millions who are displaced inside the country, and they said they've gotten little help. What are you doing to help them? Ce que vous évoquez comme problème tient à un seul mot, l'insécurité. C'est cette insécurité qui est à la base de ce que nous vivons et que vous avez très bien décrit. Et cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que la République démocratique du Congo est plongée dans cette situation. Souvenez-vous, tout est parti du génocide au Rwanda, lorsque en 1994, la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, d'accueillir le flot de réfugiés en détresse au Rwanda
pour les préserver du génocide qui avait lieu là-bas. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. Mr. President, where are you now in your negotiations with Rwanda in light of the M23 movement in the east of the country? Ben, je dirais que à ce stade, c'est le statu quo. Il a été décidé à Nairobi et à Luanda, j'en parlais tout à l'heure, de ces processus, de stopper évidemment le feu, d'arrêter le feu, c'est le M23 qui nous agresse, et d'opérer le retrait inconditionnel du M23. Le Rwanda s'était engagé à le faciliter, et jusqu'à ce moment, il n'y a encore rien qui se fait, mais je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. What is your relationship currently with the president of Rwanda, Paul Kagame? Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire, je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité et tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Mr. President, Paul Kagame of Rwanda has continuously denied the allegations that Rwanda and his government are supporting the M23. And yet here you are saying that you do know for sure that they do support the M23 movement in the east of the country. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il dit non, mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il ne soutient pas cette position-là, tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. This is the first time in your country's history that a former president and a current president are both living in the country. How are your relations with former president José Kabila at the moment? Je les définirais de normal. Normal. Parce que vous savez qu'il y a eu la rupture de la coalition. Et donc, depuis lors, nous n'avons plus beaucoup de contacts. Mais il vit tranquillement, comme vous l'avez dit, en sécurité, en République démocratique du Congo. Il va qu'à ses occupations. Imagine that as a president, you are a very busy man with so much to do, so much to look after. It's a country of almost 100 million people that you have to keep safe. I just want to know, what does a man in your position do to relax? Bon, ça dépend. Si c'est un temps où il faut regarder un match de foot, je suis très fan de football, je le fais. Si c'est un temps pour discuter avec la famille aussi, un peu de loisir aussi, parfois de la lecture, des journaux ou de livres, voilà. Et le rumba? You don't dance the rumba? Ça fait longtemps que je ne danse plus vraiment. And if you don't mind, Mr. President, me asking, which football team do you support? Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon. C'est le Paris Saint-Germain. Oh, you can say Paris Saint-Germain, it's okay. Kylian Mbappé. Ah oui, voilà, ça c'est une de mes stars préférées, à côté de Neymar. What about Messi?